Microfluidics is a good solution to address one of the most fundamental problems of medical biology, screening for as many illnesses as possible with the smallest sample possible. The smaller the sample, the less invasive a procedure. It's always better to use a single drop of blood rather than a whole bottle to diagnose a disease. Most of the time, one can only perform one test per drop. But this also means that using many small droplets, it's possible to run multiple tests, and this is where microfluidics comes into play. The point is that it enables to break a single drop of blood into millions of smaller droplets, which may each be tested independently. The problem is that controlling fluids at the microscopic scale often implies using cumbersome and expensive apparatuses. In a previous video, we actually made micro droplets using a microfluidic device. The chip we used was only a few centimeters big, but we also needed to look at it through this microscope, which is about a meter high and costs more than 10,000 euros. And it's not exactly something anyone could find easily. As a result, conventional microfluidics can only be used when there is a whole set of lab equipment at hand, and though it might be the case in a big modern city, it is much more difficult to find pretty much anywhere else. In that case, and in developing countries in particular, microfluidics should become truly portable to be of any medical use. A promising solution to this problem is paper-based microfluidics. With this technology, one could run whole medical tests out in the field without needing any trained healthcare worker or complex apparatus. Let's now meet Laura Magro, who's working on this topic for her PhD. Alors Laura, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la microfluidique papier et quels sont ses avantages par rapport à la microfluidique traditionnelle? Alors, la microfluidique papier, l'idée c'est d'utiliser le papier comme support pour faire une puce microfluidique. Le papier, d'abord, c'est un milieu poreux dont la taille caractéristique des pores c'est 10 microns. 10 microns, c'est comme ça qu'on se rapproche finalement des tailles caractéristiques de n'importe quelle puce microfluidique. Et l'autre propriété du papier, c'est que ces pores vont avoir une surface très très hydrophile. Et c'est grâce à ces deux propriétés, milieu poreux micrométrique et surface très hydrophile, que quand on va le plonger dans l'eau, juste une extrémité, l'eau va être pompée naturellement par le papier. Ensuite, le papier, ben, c'est un matériau qui peut être plié, découpé, qui est disponible partout, vraiment pas cher, et qui permet d'avoir finalement une puce microfluidique complètement autonome, qui n'a pas besoin d'équipement extérieur pour avoir les écoulements microfluidiques. Mais du coup, si la microfluidique papier est si simple à utiliser, est-ce que tu pourrais nous en montrer ici? On peut obtenir n'importe quel écoulement liquide dans une feuille de papier. Le problème, c'est que ça va aller partout. Le jeu, ça va être de venir contenir les écoulements à l'intérieur d'un dessin, d'une trajectoire qu'on aura décidée. On peut le faire en découpant simplement la feuille de papier. Le problème, c'est qu'après, c'est pas facile à tenir, juste parce que ça va être mouillé, donc ça va perdre complètement ses propriétés mécaniques. On peut utiliser sinon une imprimante à jet d'encre pour imprimer vraiment, littéralement, le motif qu'on a envie d'imprimer. Pour cela, on utilise une imprimante à jet d'encre commerciale. Mais l'encre, c'est pas tout à fait celle qu'on connaît d'habitude, c'est vraiment un bloc de cire qui va me déposer des gouttelettes de cire en surface du papier. Donc on voit que c'est un motif qui est sur le recto de la feuille de papier. Si ça, je le fais chauffer 1 à 2 minutes sur une plaque chauffante, la cire va fondre et du coup elle va pénétrer à l'intérieur du milieu poreux et le motif va être transféré depuis la surface dans toute l'épaisseur du papier. La propriété de cette cire, c'est qu'elle est hydrophobe alors que mon papier est hydrophile. Donc si je mets une goutte de liquide à l'intérieur du motif, il va vraiment rester confiné suivant le motif que j'ai dessiné. Dans le plan de la feuille de papier, on peut avoir toutes les géométries qu'on veut, tous les motifs qu'on veut pour guider les écoulements liquides dans le plan de la feuille de papier. Une propriété intéressante du papier, c'est qu'on peut aussi le plier pour avoir un dispositif fait de plusieurs épaisseurs de papier. Donc pour ça, je peux créer un motif comme celui-là, composé de plusieurs couleurs. Donc toujours pareil, c'est que tout ce qui est en couleur, c'est de la cire, tout ce qui est en blanc, c'est du papier disponible pour l'écoulement. Si ça, je le fais cuire sur ma plaque chauffante, j'obtiens le même motif recto-verso que là j'ai découpé. Et ça, si je le plie suivant chaque face colorée, j'ai un petit système en accordéon où on voit que quand je plie tout, j'ai un système très compact avec d'un côté une entrée et 4 sorties sur le recto. Si on suit ce qui se passe au niveau de l'écoulement, si je mettais une goutte de liquide ici au centre, quand j'ouvre, je vois que cette goutte de liquide elle sera en contact avec un trait horizontal de papier. Chaque extrémité sera en contact avec 2 traits verticaux qui permettent de répartir l'écoulement encore un coup et chacun de ces traits verticaux en contact avec 4 sorties. Donc finalement, ce dispositif de papier il permet de transformer une entrée d'eau, un écoulement à travers le papier vers 4 sorties. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir un petit dispositif papier complètement fermé, mais où tout l'écoulement se passe à l'intérieur de la feuille de papier. Ici, par exemple, je me suis amusée à faire un petit motif de tour Eiffel, fait aussi de plusieurs épaisseurs de papier, et d'une languette qui peut tremper dans l'eau. Donc l'idée, c'est que si je trempe la languette dans l'eau, le liquide passe à l'intérieur de toutes les épaisseurs de papier et vient réhydrater la tour Eiffel. Un des avantages du multicouche de papier, c'est qu'on peut venir sécher à l'intérieur d'une des épaisseurs, ici par exemple, des composés qui vont être stockés à l'intérieur du papier, donc par exemple des colorants séchés. Donc si je replie le dispositif, il ne va pas y avoir d'écoulement puisque tout est séché,
Et par contre, c'est seulement au moment où je vais plonger la languette dans l'eau qu'on va avoir l'eau qui va permettre de réhydrater ces composés et de les transporter suivant la trajectoire. Donc les composés séchés sont bien protégés à l'intérieur du dispositif papier et la puce papier devient prête à l'emploi. Et toi, concrètement, comment est-ce que tu utilises cette technologie ? Mon objectif, c'est de faire du diagnostic médical sur papier. Ça existe un petit peu déjà, c'est le principe du test de grossesse que les femmes peuvent faire chez elles, où c'est finalement juste une bandelette de papier qui contient tous les réactifs et qu'on peut tremper dans l'urine pour diagnostiquer si la femme est enceinte ou non. Ce sont les immunoessais sur des bandelettes de papier. Maintenant, mon objectif, c'est de dépasser ce format de la bandelette et de changer la nature des tests biologiques qu'on peut faire dedans. Donc moi, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment des tests génétiques. On va pouvoir détecter si une personne est infectée ou non par des virus. Et le principe du papier, c'est qu'on peut toujours stocker tous les réactifs à l'intérieur. Ça va donc être prêt à l'emploi. Ça peut être utilisé hors des laboratoires par un infirmier qui se déplacerait, par exemple, chez les gens. Dans des situations en Afrique où il n'y a pas forcément beaucoup de laboratoires, on va pouvoir vraiment déployer cette technologie-là. Et grâce à la géométrie et à l'écoulement de fluide, on peut aussi imaginer détecter plusieurs virus, plusieurs maladies en parallèle, sans avoir beaucoup d'opérations manuelles. When trying to detect a new pathogen, the most usual method is immunodiagnostics. When a pathogen is introduced into a human body, its immune system will eventually react by producing biomarkers. These biomarkers are molecules that only appear when the pathogen of interest is present. They can be extracted and introduced into another living organism, for instance, a rabbit. Its body then produces antibodies, proteins that bind specifically to the human biomarkers. Finally, these antibodies can be extracted, copied, and used for medical screening, either in a lab or on paper strips. This is in fact how most pregnancy tests work. But there is also another detection technique, nucleic acid testing. This method is completely different. If we're interested in detecting a virus, we can sequence its whole genome, that is to say all the genetic information that defines it, and look for fragments of this information which can only be found in this particular virus. It is then possible to synthesize complementary sequences in the lab, which can be placed on paper strips. Then, one only needs to place a biological sample on the strip to know whether it contains the virus of interest. Et du coup, pourquoi utiliser des tests génétiques plutôt que des immunoessais ? Alors, ces deux tests biologiques vont fonctionner un peu à des échelles de temps différentes. Parce que d'abord, le test génétique, ça permet de lire le génome du virus. C'est donc un diagnostic très direct de la présence du pathogène. Les immunoessais, eux, ça va plutôt venir tester la présence d'anticorps ou de biomarqueurs qui sont une réponse de l'organisme suite à la présence de ce virus. Donc c'est plutôt une détection indirecte. Quand on est infecté par un virus, dans les tout premiers jours et même heures de l'infection, le virus va se multiplier énormément dans l'organisme, qui va causer une virémie, un taux de virus dans le sang qui est très important. Donc finalement, la détection directe et par test génétique va être facile. Par contre, ça va prendre quelques jours à l'organisme de produire sa réaction immunitaire ou de réagir à la présence de ce pathogène. Et donc les immunoessais, ça va être plus 2, 3 jours, 5 jours après l'infection. Donc pour un diagnostic médical efficace et très précoce, dès les premiers symptômes, on va préférer un test génétique. Et où en es-tu de la réalisation concrète de ces dispositifs ? Je travaillais en collaboration avec l'Institut Pasteur et ensemble, on a développé des tests papier pour le diagnostic de la maladie Ebola. Et on a pu aller de la preuve de concept en laboratoire jusqu'à la preuve de concept confirmée sur le terrain à partir d'échantillons réels de patients en Guinée avec la Croix-Rouge française. Et ces manips sur le terrain nous ont confirmé que ça marchait plutôt bien. Et utiliser le papier pour le diagnostic de la maladie Ebola, c'était vraiment bien adapté à cette situation. D'abord parce que c'est dans des pays, Guinée, Sierra Leone, Libéria, qui manquent d'infrastructures médicales. Donc on a beaucoup d'ONG étrangères qui viennent déployer des infrastructures et leur matériel pour faire face à l'épidémie. Donc c'est important d'avoir un dispositif pas cher, facile d'utilisation, avec très peu de contraintes logistiques. Et ensuite, dans le cas d'une épidémie aussi contagieuse et mortelle que celle d'Ebola, avoir un diagnostic très rapide qui permette de mettre au moins en isolement tous les cas suspects, c'était important d'avoir une réponse fiable et rapide sur le terrain. Et quels sont les développements possibles de ces technologies sur papier ? Alors je t'ai dit que pour faire du diagnostic médical sur papier, on avait besoin d'aucune instrumentation autour. C'est vrai, un morceau de papier, des réactifs biologiques séchés, de l'eau, de l'échantillon biologique, et ça peut marcher. Cela dit, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable dans sa poche, et même un smartphone. On pourrait imaginer d'utiliser cet objet que tout le monde a pour compléter le diagnostic fait par le papier. Une des premières pistes, c'est de se dire que si la réaction donne une information colorimétrique sur le papier, on peut le prendre en photo, et soit une application nous dit automatiquement le résultat de diagnostic, soit ça peut être envoyé à un centre de télémédecine qui va pouvoir donner des informations complémentaires et la marche à suivre suite à cette information diagnostique. On peut aussi envisager d'utiliser la batterie du téléphone comme source d'énergie, soit pour chauffer la réaction biologique pour obtenir de nouvelles réponses, ou alors pour venir alimenter des petits chemins d'électrodes
pour avoir une détection électrochimique sur le papier. Donc on va avoir la combinaison d'un condensé de technologie qui est le smartphone avec un dispositif ultra low cost et vraiment pas cher qui est le papier. Bon bah merci pour toutes ces explications, mais j'ai encore une dernière petite question. Est-ce qu'on pourrait te piquer une de ces tours Eiffel pour nos studios ? Bien sûr, et j'ai un petit cadeau pour toi. Merci beaucoup Laura, et merci d'avoir participé au projet Lutetium. Merci de m'avoir invité. And that is how paper-based microfluidics enables cheap, portable and user-friendly medical screening. If you enjoyed this video and you don't want to miss the upcoming ones, please consider subscribing. And if you have anything to say about the video or its content, just leave a comment.